Attendez. C'est chiant ça. Je desserre un peu mon micro sinon vous allez entendre un bruit de fond hyper dégueulasse. Vous êtes en compagnie du seul et unique tonton Jordinou. Et oui, il faut surtout pas l'oublier. J'ai pas beaucoup de B, j'ai pas beaucoup de ci, j'ai pas beaucoup de ça. J'en ai quand même pas mal de ça. Bon bref. Let's go les amis. Oui, il fait nuit, oui, j'ai avancé un peu, j'ai fait beaucoup surtout de captures, là où je vous ai laissé précédemment. Du coup, j'enchaîne quoi, 2-3 heures après du précédent. Pour que vous compreniez que j'enchaîne des vidéos plusieurs à la file. Plusieurs, oh là là, plusieurs vidéos par jour. Ça dépend quand j'ai le temps. Voilà, au moins c'est dit, c'est fait, bref. Oui. Voilà, j'ai capturé tout ça. J'ai réussi à capturer les deux. C'était chiant. Les deux barons. Mais au moins, c'est fait. Je lui dis cash, c'est fait. J'ai dû leur donner une tonne de bouffe. Pour pouvoir les capturer. Oh, presque un. Bref. Je regarde. C'est garni, je sais pas pourquoi, mais j'avais envie. Je vais pas le faire évoluer aujourd'hui. Malheureusement. Type feu. Je pense que dans ce domaine, il n'y en aura pas besoin. Mais bon, je le garde parce que je le veux en signe à braise. Parce que j'avance sur le Pokédex. J'avance sur l'histoire maintenant, aujourd'hui, pour cet épisode. Un épisode quand même assez court. Comparé les autres, on va essayer du moins. Je sais pas trop. J'ai pas assez de Pokémon. Les noix grumes, ça part très très vite en vrai. Maintenant, je fais très très attention à éviter de tout gaspiller. Regardez. C'est quand même énorme en soi. Allez. On a de Bavardi. On va aller par là. Je pense que là où ça y avait la tente, ça sera un point de... Une sorte de bivouac petit. Attendez. Là, je prends tout. Les galets, tout. Non, je le garde. Mon petit matelot. Let's go. On voit des galets, on prend. On voit des noix grumes, on prend. Merde. Ouais, bah, tant pis. Il est là-haut. Je vais pas monter juste pour lui. Y a pas grand chose là-haut, je préfère mieux à préciser. On va prendre notre temps fail. Je suis content en vrai. Pour le précédent épisode, je l'ai capturé lui. C'était le seul que je n'avais pas du coup. On va les faire évoluer, ne vous inquiétez pas. Faut que je capture des femelles parce que les mâles ce sont les papillons que j'ai déjà capturé. D'ici là, d'ici peu, je sais pas comment on peut dire. Mais bref, vous m'avez compris. Ah, un feu follet. Comment je pêche pour monter là-haut? Ça va être compliqué. Je sens que cette histoire va être très 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 compliquée. Voilà, là-haut. Sorte de bivouac là. On va aller là-bas pour voir un truc. Voilà, ce papillon-là. Je suis niqué en mâle évoluant ça. Mais en femelle évolue avec leur couleur, leur forme... naturel, on va dire comme ça. Faut vite que je répare mes... Ouais, c'est... Ah bah voilà. J'ai cul du cul par contre. Ah mince. Niveau 43 quand même. Hein. Eh, tu ne rigoles pas du tout toi. Mais je crois que c'est l'eau hein, que tu détestes le plus. Hein. Ouais. Allez, s'il te plaît, vite. Non, je suis désolé, mais j'ai pas envie de vous battre. Hein. Là, j'espère au moins rencontrer le roi. Bon, le nouveau roi. Le futur nouveau roi.
Ce que j'ai compris, je sais pas pourquoi je parle pas fort, pourquoi je parle pas correctement. Attendez, s'il te plaît. J'ai des bugs de luminosité avec... je sais pas si c'est avec le boîtier que j'enregistre, ou ma Switch, je sais pas. Mais j'ai des punaises de bugs en vrai. Attendez, moi ce que je veux c'est mon celui du haut là. Je peux pas monter là-haut, s'il te plaît. Oh, attendez. Attendez. On peut y arriver, on peut y arriver. Tu peux y arriver, tu peux. Oui, tu vois, tu peux y arriver. Pas besoin de Pokémon qui escalade ou je sais pas quoi là. Voilà. C'était pas très compliqué en soi, mon copain. Une de plus. Faut que je trouve les petites failles. Sur ce genre de bug, je sais pas comment on peut dire ça, mais bref, vous m'avez compris. Je l'espère. Trouver des petites failles sur les montagnes. Moi, je préfère mieux, c'est le rose. Il est stylé, le rose. Donc il y en a un là-bas. Du coup, oh, je peux redescendre. Ça, m'en fout parce que j'en ai plus. Par contre, ça, je sais pas pourquoi ça me fait ça du coup. On va rencontrer un nouveau Pokémon ou pas aujourd'hui? On va-t-il réussir à capturer le poulpe Octo machin chose? Mais what the fuck? Ah, il y a un bateau. Il y a un bateau. Des psychoquacks ici. Oh, je l'avais même pas vu, excuse-moi. Oh, 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 Papinox. Je le capture direct. Si je peux. Voilà. C'est pas capturé, mais... Et voilà, attends, je me suis trompé de bouton. Par contre... Pourquoi ça tourne automatiquement tout seul et pourtant j'ai la manette qui est neuve? C'est le jeu ou est-ce que c'est vraiment ma manette qui part en couille, ça y est? Faut que je la prends par surprise. Boum! Eh, 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 qu'est-ce que tu croyais, tiens? Le mec. Niveau combien? Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. Bon, ça, on va utiliser. Du coup, le Aquacoc Vénère, je le veux. Je viens de voir un truc nouveau, les amis. Un truc tout à fait nouveau. Un type insecte. Ouais, je par contre. Oui, je l'ai rajouté Match Punch et Lance Flamme. Du coup, je vais utiliser Lance Flamme. Et oui, je change de parfois de capacité des Pokémon comme ça du jour au lendemain, sans vous prévenir. Le mec. Bon, on va te faire fou, putain. Ouais, en fait, il y a juste un Papinox que j'ai réussi à capturer, c'est tout. Ok, ils s'envolent. Ah, maintenant c'est l'heure de la brume. Quelqu'un l'a vu venir? Moi, pour être franc, je l'ai pas vu venir. Type O contre type O. Par contre, en mode Chani, je l'ai vu. Son bec, il est plus foncé. Foncé violet, je crois. Ou plus marron, je sais plus. Il a la peau beaucoup plus claire ou beaucoup plus foncée. Il est, pour moi, dégueulasse.
T'es moche. Je suis désolé, mais pour moi, t'es complètement laid. Putain, mate l'autre, si tu crèves, je t'éclate. Par contre... Oui. Quelle rapidité. Quelle rapidité, ce mate l'autre. Style rapide. J'aurais dû utiliser ça là-bas. Oh non, 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 non. Oh non, 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 non. Oh yes. Trop badass. Voilà, du coup... Excusez-moi de vous péter les oreilles. Je te veux. Est-ce que je le capture ou est-ce que je le défonce? Mais j'ai pas de... Pokémon... Bon, ah, ouais, d'accord. Niveau 50. Je me casse! Charmignon, on s'en fout, connaît. C'est pas méchant, mais... Je veux dire... Ah non, c'est juste des... Oh Pijaco. Un Pijaco. Je crois qu'il fait... Pijaco. Pijaco. Non, je sais plus. Ta gueule. Pijaco niveau 32. Déjà, comment tu sais qu'il s'appelle Pijaco pour commencer? Oh oui. Ça, j'ai cru que c'était un nouveau Pokémon. Non, c'est juste un tronc d'arbre. Lol. Si, on dirait, hein. On dirait, hein. Non. Touché, cool. Cool et touché. Bah non, j'ai cru. Qu'est-ce que tu veux, vas-y, là. T'énerve pas contre moi comme ça, là. Je veux un Etourmi shiny, je vous le promets, j'en veux un. 3, 2, 1. Bon, je prends, mais ça sert à rien du tout, les amis. On est où, là? Ok, on est là. Oh, 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 oh. Je peux pas capturer. J'ai essayé avec une... Une plume ball, là, je sais pas trop quoi, là. Je sens que ça va être chiant. Jamais vu un Pijaco au mode shiny. Il doit être beau. Ok, il y a des bateaux. C'est stylé, j'aime bien le style. En tout cas, un peu contour de dessin, comme un peu... Board... Non, comment il s'appelle? Jamais joué, mais... Borderland, là, un truc comme ça. Bien. Bien. C'est le mec. Le mec s'énerve un peu trop. Un peu trop excité, même, d'ailleurs. Bon, je vous avoue que j'avance, mais je ne trouve pas spécialement de nouveaux Pokémon, à part le Pijaco. On peut avoir un Pokémon haut, là? Oui, il y en a un. Il y en a un. Ah, mais je l'ai déjà, lui. Hop là! J'espère l'avoir. Je peux y aller? Sans me noyer?
Mais pourquoi hein? Non. Les amis, là, c'est l'heure du duel. Crotte. S'il me voit, je suis dans le caca. Bouge pas, je te jure que t'es comme lui. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord. Ah mais non! Je l'ai pas ce Pokémon, il me le faut. Excusez-moi pour le gant. Couche-toi. Mais attendez, si je l'envoie un Pokémon. Oui, je l'ai pas, c'est celui qui est voulu en poupe. Je l'ai eu. Allez, encore un autre feu follet. Non, c'est des flammes étranges. Mais ça fait quoi si c'est quand on les aura tous? Les feux follets là. Ouais, je suis mis à plein de Pokémon. Je suis content, moi. Je les vois. C'est quoi ça?
Ouais, ok. Bon, c'est bon, je suis allé au bout. Qu'est-ce qui se passe? Y'a rien. Waouh. Il pipi pour eux. Je suis en train de me noyer. Oh non, c'est bon. Bah, tu fais peur, mec. Allez, s'il te plaît. C'est quoi? Oh! Je le veux, je le veux, je le veux. S'il te plaît, dis oui, dis oui. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Oh putain, yes. 4 nouveaux Pokémon dans cet épisode. C'est excellent. Pourquoi? Je suis en mode repérage. Y'a aucun Pokémon. Allez vite, retour à la base. Maintenant on va faire les missions principaux. Dormir. Petit moment, s'il te plaît. Ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Merde. Il sous mais. Ça. Et ça. Non, 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 non. Allez, let's go. C'est qui ça comme Pokémon? Je veux juste essayer. Tu penses que je veux l'avoir ou pas? Non, c'est moigné. Ok. Regarde. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Non. J'ai merdé, je l'avoue. Je suis désolé. Une Pokéball dans ta gueule, t'as rien demandé à ta vie. Allez, allez, allez. Putain de merde. Bon, allez, laisse tomber, tu m'as saoulé fois en fait. Je suis en train de gaspiller. Non, j'ai plus de Pokéball. Je les gaspille tellement vite. Bonsoir. Non, y a rien. Oh là-bas, y a beaucoup de choses par contre. Allez, vite, 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 vite. Du coup, on est. Ah oui, ok. On est tout en haut. Trop génial. Moi, je t'ai serré, toi. Oh, des capes humains. Qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont fait courir dans tous les sens. Comme s'ils. Me narguer, pardon. Je crois que je ne pourrai jamais les rattraper. Vas-y, go. Tu pourras m'aider à récupérer mes affaires. Toi qui es habitué à gérer ce genre de choses. Ouais, bah, je le ferai pour le prochain épisode, mon gars, parce que moi j'ai pas envie. C'est qui? Ah non, pff, lui je l'ai, je m'en vais. Quoi encore? Mais non! Mais je voulais pas faire les caps humains, il y a les caps humains. Bien, je voulais rattraper, mais je sais pas où ils vont. Hein. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Quoi ça? Champi. What, c'est quoi ça? C'est dégueulasse. Et du coup, ils sont partis où les caps humains? Tu l'as fait toi, cette question? Ils sont partis où là?
que je t'avoue que j'ai pas spécialement envie de le faire là, mais. Est-ce qu'il nous dit sur la carte? Même pas. T'es sûr qu'ils sont descendus? Attends, parce que j'ai vu ça, là, faut que j'aille le prendre. Le ticket fume. Prendez la casquette de Sacha. Tout de suite. Oh putain, Simon. Oh, chez Monet. Regarde qui j'ai. Un Goopix. Oh, par contre, tu te calmes derrière, s'il te plaît. Je suis pas ton pote. Il est encore loupé, comme d'hab. Je le veux, le gougou. Non. Non, il s'est barré, pute. Est-ce que tu peux y aller jusqu'en haut? S'il te plaît, dis-moi. Bon, allez, là, on y est presque, on y est presque. Une grotte, il y a une grotte. Où ça, il y a une grotte? Je veux une grotte. Elle est où, la grotte? Où tu trouves la grotte? Ah, mais elle est en bas, la grotte. Non? Celle-là, là. Si, en fait, c'est en bas, c'est même pas une grotte. Ouais, ouais, il faudrait être Merde. Nager. Ouais. Merde, je sais pas nager, je me noie. Apprenez-moi. Non, calme ta joie, il y a un Goopix, je le veux. Je suis caché, personne ne le voit. Hop là, non. Putain, mais casse-toi. C'est le même. Oh, spécimen attrapé. Je suis en train de mourir. Et j'ai attrapé. Oh, regarde, tous les points que j'ai. Trop content. Oh, mais c'est move. Non. Je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir. Putain, mais laissez-moi un peu. Laissez-moi un peu. Ça craint quoi déjà l'équipe ténèbre? L'équipe ténèbre. Ouais, je... T'es sûr? Mais quoi? Non, même pas. Match Punch, vas-y, tu vas, tu vas. Allez, mon champion feu. Wow, c'est stylé. Mais tu vas mourir. Crotte. Bon, au moins j'avance dans le jeu parce que sinon. Non, mais sérieux. Bon, je vais essayer de le capturer, mais bon. Tout le monde connaît Tonton Jardinier. Putain. Faudrait que j'arrête de prendre les... Oh non, mais si, mais j'ai que ça, de toute façon. Je te jure, enfin, t'es en train de casser une couille. Casse-toi, casse-toi. Ah, c'est des papinox, voilà, j'ai trouvé le nom. Oh putain! Yes, mon tout premier! Caninos! Mon tout premier! Par contre, je suis obligé de le défoncer, il va me faire chier. Oh, 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 oh! Je vous laisse admirer, les amis. Putain, c'est beau. C'est vraiment beau. Oh, moi, c'est ça que je veux. Chut, chut, chut. Ok. Ok.
Tu l'as toi ce Pokémon? Oui. Oh mais là je vais le buter. S'il te plaît, Jigga. Il évolue comment là? Avec un niveau ou avec un pire feu? Pire feu? Putain, j'en ai même pas un, je crois. Mais c'est dans le volcan là-bas là? C'est vrai? Trop énorme. Je veux y aller. Va doucement parce que moi. Oh, t'as jamais remarqué, regarde. Ça fait une forme de main. Oui, mais c'est, ça s'appelle la plage du main. Dans la carte. Regarde pas sur la carte. Même ça. Ouah, c'est trop énorme, j'avais même pas remarqué, je te jure. Je suis tout émoustillé. Non, je te garde. Bon allez. Ouais, il y en a un petit, un immense. Allons, allons, tout doux. Du clan Perle, ça se voit. Je suis Garana, du clan Perle. Et toi, tu es... Oh, mais tu es du groupe Galaxy. Bien sûr. C'est toi qui as réussi à calmer le Hashikator et Fragility. Moi, je sais pas si ça se dit comme ça, on s'en fout, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce que... Non, à ce qu'une personne aussi forte ait un visage aussi doux. Que fais-tu ici? Il n'y a pas de monarque enragé sur la côte, l'Azuli. Fort heureusement d'ailleurs. Du coup, c'est qui? Est-ce que c'est un Pokémon haut ou c'est son évolution? Non, le dis pas, je veux pas savoir. Il y avait un roi jadis, mais il s'est sacrifié pour sauver son... Son quoi? Son petit... Son petit qu'une vague. Ok, avait emporté, ok. Ah non, c'est bon, je crois savoir qui c'est. Pardon pour ces... Pour cette question soudaine, mais cela, selon toi, lequel de ces deux caninos c'est le fils du roi? Moi j'ai eu bon. Alors, c'est lequel? C'est le petit. Bah oui, c'est le petit qui va... Moi je dis petit. Bravo, tu as l'œil. Bah je sais pas pourquoi en fait le petit, mais ouais. Ce caninos si sage, qui se cache au moindre bruit, est en fait le petit roi des fins. Il a tout ce qu'il faut pour devenir roi à son tour, mais voir son père périr sous ses yeux l'a profondément marqué. Moi j'ai cru que ça allait être le gros Pokémon poisson là que tu as. Alors tu comprends, je n'ai pas le cœur à le forcer à s'entraîner pour devenir le prochain roi. Je comprends, je comprends. Peu importe ce que peuvent penser certains dans le clan Perle, j'ai décidé de le laisser vivre comme il le souhaite et de toujours rester à ses côtés. Tu sais donc pourquoi il n'y a pas de roi dans cette zone? Alors, qu'es-tu venu faire ici? Entraîner l'héritier, visiter l'île Crash of Feu, bien sûr. Oh, tu veux te rendre sur l'île Crash of Feu? Il paraît qu'on y voit des ombres étranges. Cependant, si tu comptes y aller, tu devras traverser la mer à dos de Paraguel. Oh putain, je veux y aller, oui! Pour cela, tu devrais aller voir Graham, le gardien du clan Diamant. C'est qui ça? Il me semble l'avoir déjà vu. Il se passe définitivement. Bah là, beaucoup de boucan tout à coup. Là. Non, je déconne. Il se passe définitivement quelque chose d'anormal sur cette île de Clash of Feu. Il y a bien sûr cette ombre étrange, mais aussi l'éclair qui s'est abattu depuis la faille. On dit que les éclairs sont à la colère des dieux. Le grand Sino nous en voudrait-il? Pardon. Je dois avouer que cela m'inquiète. Autrefois, le clan Perle et Diamant étaient en conflit, chacun prétendant vénérer le seul véritable Grand Sinnoh. Le Grand Sinnoh aurait-il donc décidé de punir ceux qui vénèrent un imposteur? Pardon, je m'égare avec mes histoires. Il faut que tu ailles voir Graham, longe la plage, Ginkgo, oh, je sais pas comment ça s'appelle, et tu le trouveras sur le mont des Cap Humains. Ok, chien. T'inquiète pas, petit caninos. Est-ce que là, il peut y en avoir un, là? Je veux un feu follet. Putain, il y en a même pas.
Du coup. On va se TP parce que sinon on va mettre 10 ans. Let's go. Ouais, 2 secondes. Oh, par contre, celui-là, il m'en faut. Oh, bah tiens. Un gros patapouf. Descends, je t'ai dit. Ça. Comme par là. Cap humain, je m'en fous de ta ligne. Non, c'est pas ça. Mais... Putain, mais c'est qui m'attaque encore? Mais du coup, c'est où là que je dois y aller? Holy shit. Ah merde, putain, fallait monter. Ah mais c'est lui. Ah, c'est Persupio, mon copain. Tiens, Jordinou, celui qui a un drôle de nom d'ailleurs. Je ne pensais pas te croiser ici. Moi, figure-toi que je suis à la recherche de plaques. Mais toi aussi, tu les rassembles, non? Tu as fait des progrès? Bof, plus ou moins. Ça alors, tu en as déjà 4. Il ne faut pas faire ton modeste enfin. Alors, tu trouves les plaques en apaisant les monarques ou en obtenant de nouvelles montures, je vois. Tu sais, cette façon de faire me rappelle l'histoire du héros d'une ancienne légende. Celui-là même qui a affronté le grand Sinnoh. C'est étrange quand on y pense. On raconte que les 10 Pokémon qui ont prêté allégeance à ce héros ont reçu leur pouvoir du grand Sinnoh lui-même. Alors pourquoi ces Pokémon ont-ils fini par affronter le grand Sinnoh aux côtés du héros? Peut-être qu'en retrouvant toutes les plaques, nous obtiendrons les réponses à nos questions. Bref, faisons notre mieux pour les rassembler. Mais sois prudent. Je n'ai pas envie de te perdre. Non, de perdre l'un de mes meilleurs clients. Client de quoi? Tu me donnes et j'achète même pas, couillon. Toc, toc. De la visite, hein? Un instant, j'arrive. Bien sûr, prenez tout votre temps. Oh, le clan du diamant. Graham. Je suis Graham du clan Diamond. Oh, un membre du groupe Galaxie avec une flûte céleste? Étonnant. Tu es Jordinou, c'est ça? Que me vaut cette ta visite? Aurais-je fait quelque chose de mal? Oui, non. Les visites impromptues, c'est mauvais pour mon cœur. La prochaine fois, préviens-moi avant de venir. Mais pourquoi es-tu ici? Pour Paraguel. Tu veux aller sur l'île Crash-Feu? Dans ce cas, il faut d'abord... D'abord que... Je sais même pas comment on dit son nom, je m'en bats les couilles. Reconnaisse ta valeur. Pour ça, tu dois lui préparer son plat préféré. Ça devrait lui plaire, je crois. Mais pour le préparer, c'est un peu, comment dire... compliqué, pour ne pas dire impossible. Impossible? Je vais t'expliquer, j'ai toutes les ressources nécessaires, mais... Mais il faut aussi autre chose. Il faut attraper un Pokémon la nuit, mais pour moi, c'est impossible. Quel Pokémon? Tu veux vraiment savoir? Bah vas-y, dis-nous.
Terraclop. Hein? Terraclop. Rien que son nom me terrifie. Enfin, non. En fait, il faut imprégner les ingrédients avec la capacité vibroscure de Terraclop. C'est le seul moyen de préparer le plat préféré de Paragouril. Entendu, je m'en charge. Vous n'avez vraiment pas peur, pardon, de rien dans le groupe Galaxy. Ouais, et pourtant on va devenir des gros connards. Moi, je trouve ça effrayant. Les terra-choses errant la nuit sur la rive des revenants. Ils sont faciles à repérer car ils n'ont qu'un seul œil. Ok. La rive des riverains, c'est près de l'endroit qui ressemble à une main sur la carte. Cherche l'épave, c'est là que les terrachoses se trouvent. Ok, vas-y, j'y vais de ce pas là. J'ai tellement peur d'eux que j'ai mémorisé l'endroit où ils sont pour les éviter. C'est bon, je peux y aller tranquille là. Bon, allez, j'y vais de ce pas. On va chercher ce Terraclop. Pourquoi tu me fais cette vue à chaque fois que je cours, connard? Où ça? Où ça? Il y en a déjà une. Non, pas là. Là. Derrière moi, je peux pas y aller. Pour l'instant. On ira peut-être pour après, tiens donc. Ou peut-être pas en fait. Non, mais je veux pas vous. Oh, ça y est, j'en ai trouvé un. Ok, t'es mimi. Tu vas pas te pêcher. Oh, il y a sa pré-évolution aussi. Terraclop, c'est le gros ou le petit? Est-ce que je vais y arriver? Oui, tu t'es retourné au beau moment. Je te laisse aucune chance, mon gars. Bon, vas-y, tu sais quoi, tu m'as saoulé, vas-y, vimi. C'est vrai qu'ils font bader quand même. Hydro-cube. Alors. Non, toujours pas. Oh yes. Vite, je veux le petit avant qu'il se barre. Dis-moi pas qu'il s'est barré. Oh merde. Crotte. Ça, c'est vraiment moche, pute. Du coup, il est où? Ah oui, je vous ai pas fait montrer. Mon petit Zorbi. En plus, il y a une distorsion qui s'est ouverte là-bas. Là. J'ai envie d'y aller, mais ça va être long. Merde, c'est pas grave. Pourquoi tu me mets cette vue? Non, écoutez, on va faire ça pour la prochaine fois. Je vais passer devant s'il y a des Pokémon, on attrape, si on n'a pas, bah the bing. Non. Elle s'est pas encore ouverte, bordel.
Ah merde, putain, j'ai envoyé une Pokéball dans le vide. Vas-y, mais laisse-moi tranquille, toi. Allez, vite, 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 vite. Bref, c'est fini pour aujourd'hui, mes amis. Voyons voir ce qu'on a capturé pour aujourd'hui. 12 nouveaux Pokémon. Oh putain, c'est tellement beau. Surtout, c'est qu'on a des nouveaux Pokémon. Oh là là. Il est moche, par contre, le coup, il fait chien. Oh la vache, on dirait qu'il est défoncé de la vie. Putain, mais c'est comme si on les vendait, les Pokémon. C'est trop bizarre. Oui, merci. Et hop là, une étoile en plus. Même, oh, pff, même pas. Oui, merci. Bref. Je vous fais des bisous. Bonne nuit, Antiquette, mes amis. Prenez soin de vous. C'est le plus important. Le plus important. L'île sans roi. Ah, mais c'est là, l'île sans roi? Non. Qu'est-ce qu'il raconte, ce con? Bref. Bisous, les amis. Bisous pour le prochain épisode. Mission secondaire sur à 100%.